Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar donc qui continue ici à évoluer d'une manière plutôt haussière dans sa dynamique court terme. Alors du point de vue moyen terme ça ne change pas, on est toujours ici dans un range entre 1.1270 et 1.1530. Toutefois au niveau de la dynamique court terme, on a eu ici une forte hausse qui avait été impulsée donc par la Fed. On est revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours agir ici comme zone de support. Surtout, on confirme ici une évolution au-dessus des 1.1430. Donc dans cette configuration, on reste ici dans une dynamique toujours haussière d'un point de vue court terme. Attention, une rupture ici des 1.1530 pourrait provoquer un signal de sortie de la zone d'évolution de range que la paire de devises occupe maintenant depuis quelques jours. Et puis sur l'or, nous avions une dynamique haussière qui s'était signalée suite à la rupture haussière ici des 1297$ l'once. On avait acté hier que l'objectif ici de l'extension de Fibonacci, donc qui était quantifié à 1312.50$ l'once, avait été atteinte. On a validé une poursuite du mouvement, puisque sur cette journée, on est monté ici sur des niveaux au-delà des 1325$ l'once. Donc un mouvement haussier donc qui est très technique, puisqu'il est... Il a accéléré ici, même s'il a été initié avant, il a vraiment accéléré suite à la rupture haussière ici des 1297 qui était une zone de résistance majeure. Donc désormais les cours sont toujours sur cette trajectoire haussière dont l'objectif court moyen terme se situe ici sur la zone des 1357$ l'once. Et puis sur le WTI, hier nous mettions en évidence que nous étions toujours ici dans une phase de hausse qui certes était dans une zone de range ici, mais dont la faible consolidation laissait plutôt entrevoir une poursuite du mouvement haussier. Qui plus est, nous avons ici sur cette zone cassée des plus hauts sur l'horizon de temps moyen terme. On valide aujourd'hui puisque on est venu tester ici la zone de résistance des $55 le baril. Alors si on prend un petit peu... si on s'éloigne un petit peu, on voit ici que c'est cette zone de plus haut qui a été cassée. Le fait que l'on s'attaque ici à cette zone des 55, c'est un premier test. Tant que l'on ne repasse pas durablement sous la zone des 50.20, on est toujours ici, suite à cette forte dynamique baissière, phase de consolidation, accélération, retournement. Donc dans la phase de stabilisation, mais qui semble précéder une rupture ici à la hausse dont le premier objectif serait un retour rapide sur la zone des $59 le baril, voire une poursuite ici au-delà vers les $64.30 le baril. Et puis enfin sur le Bitcoin, hier j'attirais votre attention sur le fait que nous étions repartis ici dans une dynamique baissière qui visait ici la zone de support des $3290. Alors on continue malgré un rebond technique aujourd'hui puisque nous sommes repassés ici au-delà des 3400. Toutefois, on voit que dans la globalité du mouvement, on est toujours sur une dynamique qui reste baissière, avec donc comme objectif un possible retour ici sur les 3290, qui pourrait être suivi en cas de rupture par un retour sur la zone psychologique des $3000 pour un Bitcoin. Voilà ce que l'on peut dire donc pour cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.